Alors, bonjour, merci euh, aux organisateurs du, du rendez-vous pour euh, leur aimable invitation. C'est toujours intéressant de parler d'un de, ouvrage ou de deux ouvrages, de vous expliquer un petit peu euh, ma façon de travailler et, euh, comme le dit le titre, le croisement entre le journalisme et, euh, et l'histoire. Euh, si M. Parizeau vivait, euh, il aurait 92 ans aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'était son anniversaire en début de semaine, anniversaire de naissance. Et Monsieur Rocher, lui, ben, il est bien vivant, c'est un homme de 98 ans. Euh, je lui ai parlé hier, il est en bonne forme. Euh, donc, deux personnages euh, que j'ai rencontrés de leur vivant, euh, à plusieurs reprises, une cinquantaine de reprises dans les deux cas. Deux personnages, mais une même méthode. Et c'est ce dont je veux m'entretenir avec vous. Une démarche où j'ai un pied dans le présent, hein, le pied du, du journaliste, je dirais, et j'ai un pied dans le passé, la démarche historienne. Et j'ai décidé, quand j'ai commencé euh, par l'ouvrage de M. Parisot, il y a déjà 20 ans, hein, ça, ça, ça va vite, euh, j'ai décidé d'avoir une certaine sobriété dans l'écriture. Pas de jugement, euh, je laisse ça au protagoniste euh, et je m'accroche surtout aux faits, c'est ça l'influence beaucoup journalistique. Alors j'évite de tomber dans des trop longues interprétations, c'est un choix volontaire, euh, pas d'interprétation de, de nature psychologique ou euh, d'analyse euh, comportementale. J'évite ce genre de. ce que je trouve des fois plus périlleux. Alors, mais cette retenue-là, cette sobriété-là, je vais la mettre un petit peu de côté aujourd'hui parce que, bon, 20 ans après la, la biographie de Parisot, il y a des choses qu'on peut qu peut-être peut analyser avec un peu plus de précision, même dans le cas de, de M. Rocher. Mais bien sûr, je vais éviter la spéculation euh, dans certaines interprétations. Mais je vais insister sur des, des, des traits de caractère, des relations que j'ai eues avec les deux personnages pour. En fait, quant à moi et puis vous vous, vous verrez, vous jugerez par vous-même. Moi, ça me sert à, à justifier la démarche biographique. En quoi elle est, elle contribue plus qu'une autobiographie ou qu'un un autre type de travail même journalistique. Et il y a toujours de bons ton des fois quand on, on commence une, une conférence comme ça de débuter par un, un mot d'humour ou une anecdote. Alors moi, ça va être une anecdote, mais qui n'en est pas vraiment une, mais qui est plutôt euh, révélatrice et euh, étrange et drôle. Alors je vais donner le titre de cette anecdote, euh, le titre suivant il avait les cheveux blonds comme les blés. Citation de Monsieur Parisot. Pendant la cinquantaine d'entrevues que j'ai fait avec lui, l'ancien Premier ministre, euh, il, me met, il se met à me parler du communisme, de son attrait pour le communisme, hein, l'ancien ministre des finances l'homme du milieu bourgeois, le complet trois pièces. Et il me dit que quand il était jeune, il a eu cette tentation, hein, très, très forte. Et on sent chez lui qu'il insiste auprès du biographe que je suis pour, pour en parler. Il veut euh, insister sur son indépendance d'esprit, hein, sa capacité à aller contre le vent, contre le troupeau. Euh, donc, il insiste beaucoup. C'est un très bon conteur, Monsieur Parizeau. C'était un très bon conteur. Et il me dit que jeune, bon, il se met à lire Le Capital de Marx en entier. Euh, et tout, juste avant d'aller euh, au HEC, ses études universitaires après le, le, le collège à Stanislas, il me dit j'ai même distribué avec un petit groupe des dépliants du Parti communiste à la sortie du forum de Montréal. Puis on avait broché une photo de Maurice Richard sur les feuilles. J'ai essayé de retrouver les feuilles. Je ne les ai pas retrouvées. Il y avait 120 boîtes d'archives de M. Parizeau. Euh, mais à un moment donné, on trouve ça tellement disproportionné, drôle, étonnant qu'on se pose des questions. Hein. Alors euh, quand même, j'ai retrouvé cette tendance-là. Elle a été confirmée par son père. Parce que son père, dans son livre, Joie et deuil euh, d'une famille bourgeoise, le mentionne. Hein. Il dit, Parizeau, avant son départ, euh, pour l'Europe, Jacques était très attiré par la gauche. Et critiquant le système, il affichait une incrédulité qui nous peinait, mais contre laquelle nous avons tenu à ne jamais aller. Nous le sentions tendu, décidé, prêt à toutes les négations, à toutes les discussions. C'était déjà cette contestation de tout. J'étais un peu inquiet parfois, écrit le père. Je retrouve une autre trace de ça. Hein. C'est l'avantage la, la, de fouiller euh, après avoir fait une entrevue puis entendre des propos aussi étonnants. Je retrouve euh, effectivement dans un des vieux, prom, des vieux CV que, que Parizeau a écrit lui-même, qu'il a prononcé une conférence sur le communisme devant le Cercle Maisonneuve, Cercle Maisonneuve, qui était un groupe nationaliste lié à l'Association canadienne de la jeunesse catholique. Alors, il y a des traces comme ça. Et. Monsieur Parizeau, bon conteur, met de l'emphase là-dessus, sur sa tentation. Il me parle de Fred Rose, alors membre du Parti ouvrier progressiste, qui a été élu en 1943 et en 1945 dans le comté de Montréal-Cartier. La guerre froide a débuté euh, quelque temps après 1945, vers 1947, et. Devenir communiste devenait une menace, c'était plus drôle, c'était plus romantique, là, parce qu'il y avait euh, des éléments où on accusait les gens d'espionnage et tout. Fred Rose va d'ailleurs être emprisonné pendant un certain temps. Alors, Jacques Parizeau me, me, me dit que pour lui, il a même été en contact avec un groupe d'anglophones, de communistes euh, euh, reconnus, qui euh, étaient des anciens membres des brigades internationales. Qui euh, sont allés faire le combat en Espagne. Et euh, me disait-il, il avait des connaissances à lui, des musiciens qui s'exécutaient dans un petit café en pente sur la rue Miguel. Et là, je cite, Volontaire dans le bataillon Papineau-Mackenzie, ces anglophones se sont battus aux côtés des républicains lors de la guerre d'Espagne en 1936. D'ailleurs, la mère de Jacques Parisot était à l'assister à un événement en faveur, une collecte en faveur des républicains. Euh, son père avait suivi. Alors, vous voyez que la mère avait déjà aussi des tendances, était intéressée vers. Euh, certaines idéologies. Et Jean de Parisot me dit qu'il est fort impressionné par ces témoins, -là, ces, 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 ces témoins euh, de l'histoire. C'est très satisfaisant, dit-il, d'être dans ce milieu-là. On s'installe avec un café et on écoute ces anciens de la guerre d'Espagne pendant des heures. Bon, c'est assez fascinant quand même. J'ai même entendu parler de ça. Bon. Et il dit, c'est dans l'un de ces cafés que je suis devenu amoureux de la fille de Fred Rose. Il me dit, ah. Elle avait les cheveux blonds comme les blés. Ah, ben là, je, je me dis, ça va bien aller, la biographie. Parisot, fils de bonne famille bourgeoise, amoureux de la fille d'un membre du parti ouvrier progressiste arrêté par la police, accusé d'espionnage. Ouais, en termes journalistiques, j'ai un scoop. Hein? Alors, je, je me mets quand même à chercher les sources, à avoir des confirmations. Je ne retrouve aucun membre, il faut dire que les années passent, hein, aucun membre de cette brigade internationale. J'appelle dans certains milieux anglophones, nationalistes, de gauche. Rien. Bon, excellent compteur, M. Parizeau. Est-ce que ça veut dire qu'on joue quelquefois un peu avec la réalité ou des fois des imprécisions? Hein? C'est ce qu'on cherche à, à, à voir. Et puis, d'appel en appel, je réussis à retrouver Laura Rose, la fille de Fred Rose très âgée, une vieille dame. C'est en 1918. Euh, donc, j'étais à la fin de ma démarche pour le, pour le tome 1. Et je parle à Madame Rose au téléphone. Je dis comme ça, hein? « Monsieur Parisot est tombé en amour avec vous. » Alors, grand silence. Puis elle me dit, « Écoutez, moi, monsieur, je suis né en 1936. Alors, vers 48, l'année où Jacques Parisot il y a 18 ans, affirme être tombé en amour avec elle. Laura Rose est une fillette de 12 ans. Ça marche pas. Bon, est-ce que euh, vous étiez la seule fille Est-ce que Monsieur Rose a une autre fille Non, je suis la seule fille de Monsieur Rose. Bon, et vous aviez les cheveux blonds là, Elle se met à rire. Non, j'ai les cheveux bruns foncés, me dit-elle. Je n'ai jamais rencontré Monsieur Parisot. Alors, euh, plutôt drôle. Je le mentionne dans la biographie, je vais pas dans tous ces détails-là, mais en disant ben, probablement que Jacques Parizeau a confondu avec quelqu'un d'autre ou, hypothèse, il a intégré des éléments d'un de, roman euh, canadien-anglais où on parle de ses rencontres. Euh, qui sait? Moi, je ne conclue pas euh, à un mensonge. Je ne conclue pas à un geste réfléchi, une volonté préméditée de tromper le, le biographe. Je crois pas… À force d'interroger des personnages comme ça sur l'ensemble de leur vie, des gens qui ont une densité hein, en termes d'actions euh, euh, qui ont posé, et la mémoire est un mécanisme, on s'aperçoit, assez euh, intéressant à étudier, hein, euh, parce que c'est une forme de représentation de ce qu'on a vécu. Et là, force est de constater qu'on peut inclure beaucoup de choses. En avril dernier, j'écoutais, je sors un peu de Parisot, vous allez voir pourquoi. Euh, J'écoutais M. Boris Cyrulnik parler à l'émission euh, La Grande Librairie. Euh, il racontait son enfance et il s'est mis à parler beaucoup de la mémoire. Neuropsychiatre français, euh, auteur à succès, bien connu. Il raconte, il raconte dans un de ses livres de nature autobiographique, Sauve-toi, la vie t'appelle comment en janvier 1944, il n'est âgé que de six ans et demi, il échappe à une rafle de juifs à Bordeaux. Il échappe à la Gestapo. Euh, en sortant de la synagogue en courant, euh, il réussit à se cacher dans une camionnette sous le, sous le corps d'une femme qui est en train de mourir, qui a été euh, victime de, 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 de coups de balle, enfin, de, qui a été abattue. Alors, il raconte qu'il a dégringolé avant d'arriver à la camionnette les escaliers de la synagogue, de longs escaliers, précipite dans la camionnette. Des années plus tard, Cyrulnik retourne sur les lieux, voit la synagogue. À sa grande surprise, les escaliers ne sont que deux petites marches. Comment se fait-il qu'il ait imaginé un long escalier? Et là, il raconte, je le cite, « Dans ce faux souvenir, tout est vrai. Les marches existaient, mais ailleurs. » Et correspondait à l'émotion que j'avais dû éprouver en m'enfuyant. Dans ma tête, je dégringolais les escaliers pour fuir, pour plonger sous le corps de Mme Blanchet. C'est vrai. Et les escaliers, c'étaient ceux du Cuirassé Potemkin, film russe. Le film que j'avais vu beaucoup plus tard et qui mettait en forme ce que probablement, je le cite toujours, j'avais ressenti en m'enfuyant. Et j'avais fait la convergence entre deux sources de mémoire. Tout est vrai, dit-il. La grande scène des escaliers racontait un morceau de ma biographie. Quand on voit la scène, l'enfant dans son berceau dégringoler les marches, ça s'accélère. On sait, dit-il, qu'il va mourir. Je savais que j'allais mourir, donc je savais qu'il fallait que je m'enfuis rapidement. Personne ne ment, dit-il. On rassemble des segments de vérité. On agence pour faire une seule représentation. Une seule. On schématise, on mystifie pour donner sens, sinon on aurait des informations partielles. À cette émission, l'animateur lui mentionne que la dame blanchet, la dame mourante, n'est jamais morte. Elle a survécu. Et elle a témoigné ensuite de cette histoire et de ce garçon qui s'est caché sous elle. Et elle dit J'avais très peur de le noyer dans mon sang. Parce qu'il était blessé gravement. L'animateur dit Monsieur Cyrulnik, vous n'avez jamais parlé du sang. Et encore une fois, la mémoire a retravaillé et il dit probablement parce que ça vient faire peur. Je ne sais pas, mais mon cerveau n'a pas sélectionné cette information ou peut-être parce que j'étais tendu vers une idée, la libération, vers la liberté, et je ne sélectionnais que les informations qui me permettaient de m'évader. Percevoir le sang, ça ne m'aidait pas à m'évader. Donc, j'étais entièrement centré sur ce qui me permettait de m'évader. Le sang ne me permettait pas de m'évader. C'était une information devenue inutile. Alors, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, ça nous aide à comprendre beaucoup euh, comment euh, il ne faut pas avoir de jugement trop précipité sur une mémoire qui peut sembler défaillante. Et je m'en suis aperçu à plusieurs reprises avec les deux personnages. Quelquefois, ils avaient lu un article. Ils avaient lu un livre et ils avaient reconstruit leur souvenir en ajoutant ces éléments. Et quelquefois, s'il y avait une erreur dans le livre qu'ils avaient lu, ils le reprenaient. Et là, bien, par d'autres sources, par d'autres articles, par des archives, de la correspondance, on est capable de recorriger. L'intérêt aussi de travailler sur de la matière vivante d'une personne qui est devant vous, c'est que vous pouvez revenir la revoir six mois plus tard. La confronter aux nouveaux éléments que votre recherche vous a permis d'avoir. C'est très riche. Hein? L'historien ne peut pas faire ça. Les gens sont tous dans les cimetières. Donc, prenons le cas de M. Rocher. Si vous permettez, je vais prendre un peu d'eau. M. Rocher, lui qui vit toujours, a une excellente mémoire. Euh, sauf qu'évidemment, à la, de, à la différence de M. Parizeau, euh, il était très. Moi, quand j'ai interviewé M. Parizeau, il avait 65 ans. Donc, il y avait encore des copains de classe qui étaient vivants, il y avait des professeurs. Dans le cas de M. Rocher, euh, très peu lui avaient survécu. Hein, quand on est si vieux, il me parlait qu'il enterrait surtout ses amis. Euh, donc, la démarche journalistique, où on est habitué à interroger des gens vivants, bien, elle, a, elle a diminué un peu pour augmenter l'approche euh, de l'historien. Parce que là, je devais aller dans les correspondances, dans les archives, dans les boîtes, euh, dans les, les livres, les autobiographies, euh, les vieux articles. Monsieur Rocher, lui aussi, est étonnant. Euh, ce sont deux personnages fascinants de toute façon, mais il y a des aspects. Et ça, je veux faire ressortir ça chez lui autant que chez M. Parisot. Il me raconte, il a pris des notes quand il était étudiant, son premier travail d'étudiant, il a pris un petit journal de ses premières journées, journées là-bas, il a gardé ça, je retrouve ça dans les archives. C'est d'une richesse incroyable hein, pour, le, pour le biographe. Donc, il est très précis sur l'ensemble de, des épisodes de sa vie. Mais il y en a un où il ne parle pas, fait silence totalement. Et moi, les premières fois que je fais les entrevues, je laisse aller, hein, les questions sont ouvertes, et puis on, on cueille, j'enregistre tout, bon, je transcris, et c'est dans les périodes suivantes où je peux revenir à de façon plus précise. Alors, juste pour vous dire à quel point Monsieur Rocher, quand il était jeune, cours classique, Collège d'Assomption, il est très à l'aise dans le cours classique. Alors que des gens de sa génération, des années plus tard, vont fortement critiquer le Collège clatique, disant que c'est imprégné d'eau bénite, du catholicisme, puis et bon, etc. Rocher vit bien avec ça. Il me raconte même, dans son récit, que vers l'âge de 15 ou 16 ans, là, il commence à trouver que Noël, c'est une fête commerciale. Aucun bon sens. C'est plutôt une fête religieuse. Alors il demande à sa mère, il dit Moi, la nuit de Noël, je vais aller avec un de mes amis, on va aller célébrer ça au monastère.' Ça fait que ça va être de la prière et tout, puis on va coucher là, mais on arrive le lendemain. Alors, il ne se souvient pas si c'était au monastère d'Auca ou, ou Saint Benoît, mais euh, et sa mère un peu surprise, bon, d'accord, ça va là. Alors, quand, quand Rocher me raconte ça, je dis oui, quand même, pour un jeune euh, Noël, euh, il me semble que l'aspect festif est plutôt accueillant, bien reçu. Par... Il dit oui, oui, oui mais que voulez-vous, folie de jeunesse. <laughs> bon, force est de constater que les jeunes d'aujourd'hui auraient d'autres types de folie. Alors alors, sa ferveur religieuse est évidente. Au point où, à la fin de ses études, et ça, il ne me le dit pas, il s'en va à la GEC, Jeunesse étudiante catholique, donc un mouvement très militant à l'intérieur de l'Église, progressiste, ça bouge. Il va être même président de ce mouvement pendant quelques années parce que là, il sait pas où il va aller, l'université, c'est pas clair, mais l'action sociale, l'action catholique, disait-on, pour lui, ça lui plaît, puis euh, bon, il a beaucoup de responsabilités mais il fait silence sur ce choix qu'il a fait d'aller chez les moines dominicains. Et moi, je le laisse aller. On est rendu déjà quand il rentre à l'université, et je vais dans les recherches des vieux journaux, Journal de Joliette. Là, on annonce que c'est la fin, euh, c'est des finissants du collège. Il y a une petite liste d'étudiants, dont le nom de Monsieur Rocher, et on indique tous qu'ils sont, qu'est-ce qu'il veut faire. Et lui veut être moine dominicain. Ah bon, intéressant. Alors, je soumets ça à M. Rocher. Et là, il me donne des détails. Mais écoutez, comment peut-on oublier ça? Ça a duré quatre mois, vous me direz, c'est pas long. Mais imaginez quand vous entrez chez les moines dominicains, euh, on arrive là, chez les novices, Saint-Hyacinthe, en septembre, une fois admis demie dans le cloître. On l'installe dans une petite cellule. Il découche pour la première fois de sa vie pour aller dans une cellule. Moi, je m'en souviendrai. Je me souviens de la première fois que j'ai découché. Euh, il subit ce qu'on appelle la rasure. On rase le sommet du crâne, puis on laisse une couronne de cheveux très, très courts, Encore là, on doit en garder un souvenir. Mais encore plus, il prononce ses voeux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à ça. C'est très impressionnant. Hein? Soutane blanche dans le cœur de l'Église, entouré des pères de la communauté, des novices, couchés à plat en forme de croix, hein, les bras en forme de croix, et là on fait les vœux. Jeune homme de 18-19 ans qui fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Comment oublier ça? Dans l'ordre des prêcheurs, en plus, à l'époque, on rebaptisait, on redonnait un nom. Alors le maître des novices décide, impose le nom. Il regarde un peu l'histoire du jeune, l'histoire familiale. Votre père s'appelait Barthélemy. Vous vous appellerez Barthélemy. Déjà, ça avait été un choc pour lui parce que son père était mort à l'âge de 8 ans et demi. Il se sentait incapable de porter le nom de son père. Ça, ça, enfin, il y avait un grand euh, inconfort. Sept à huit jours, sept à huit fois par jour à la chapelle, dont une fois à minuit le soir. Bon, une vie de prière, euh, l'action euh, chez les moines arrive beaucoup plus tard. Alors il ne peut pas vivre avec ça, il a des problèmes d'indigestion, il trouve qu'il y a pas de liberté. Finalement, au mois de décembre, il convient avec le, le maître des, des novices de dire, c'est n'est pas la vie que je veux faire et tout, s'en va, j'y assez. Alors, voyez-vous, la subjectivité du sujet. Euh, il a écarté ça de son récit. Quand on est journaliste, on craint beaucoup la subjectivité parce qu'on va aller chercher. L'aversion, ou sinon on va aller chercher une autre, une contre-version pour être capable de présenter aux gens euh, euh, non seulement un discours, mais des faits qui sont rattachés derrière les affirmations. Donc on craint la subjectivité, on utilise beaucoup le mot d'objectivité, ce qui est très difficile à atteindre, on conviendra tous. Mais quand on est biographe, il faut tenir compte de la subjectivité du sujet, il faut tenir compte de comment il se perçoit, parce que ses silences en révèlent autant. Que son récit en longueur. Et alors, pourquoi ce silence hein? et, et là, je, je tente un peu avec vous, mais dans la biographie, moi, je, je m'en tiens à relater tout, tout ça. Mais est-ce que euh, ce silence que j'ai pu contourner par une recherche indépendante, d'autres sources, puis, en, puis ensuite je l'ai confronté, puis il a, il a très bien collaboré, il m'a raconté toute tout son histoire. Mais. Euh, les silences donc nous aident à comprendre peut-être un inconfort chez lui. Est-ce que l'échec de la spiritualité était quelque chose qu'il ne voulait pas partager Est-ce qu'il craignait de d'avoir qu'une partie de sa vie soit trop identifiée à une certaine fébrilité, une certaine ferveur religieuse euh, Pourtant, lorsqu'on lui raconte tout ça, il collabore bien, hein, comme Monsieur Parisot. Et les les moments où il y a des euh, des erreurs, des imprécisions dans l'ensemble de leurs témoignages, il y en a très peu. Mais je trouvais intéressant de partager avec vous ce type de, de comportement parce que euh, on s'aperçoit que la façon dont la personne se décrit, c'est utile. Maintenant, le biographe ne révèle pas la, uniquement le récit du personnage. Il, il prend une grande partie de son récit, puis ensuite on va chercher d'autres sources et on ajoute au récit l'ensemble de l'information. Mais la subjectivité, j'insiste là-dessus, devient intéressante de voir comment il se perçoit et ça nous aide bien sûr à comprendre quel sens le sujet donne à ses actions, compte tenu de, de l'époque, de ses valeurs, etc. Bon, ça met en évidence le grand défi de la réalité commune. Parce qu'une biographie, c'est d'essayer de présenter aux gens une réalité commune. Euh, parce que chacun, on a notre réalité, selon notre expérience. Et la biographie, et là, je vais citer William Faulkner, qui dit « La littérature ne sert pas à mieux voir, mais à mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre, euh, parce que la réalité est constituée de multiples épaisseurs. » Et là, le journaliste entre en ligne, parce que c'est une quête, c'est une quête des faits, c'est une quête de l'information, euh, je, je, moi, je n'utilise pas beaucoup une quête pour la vérité. Je trouve que c'est un peu lourd, ça porte euh, presque une notion de révélation là-dedans. Je vais parler plutôt de réalité factuelle qui s'approche d'une certaine vérité parce qu'on s'aperçoit que c'est toujours très, très difficile. Elle est tellement complexe, cette réalité, qu'on ne peut avoir la meilleure des approches il y a des marges d'erreur importantes qui, qui continuent d'exister. Ce qui fait que l'histoire est passionnante. Hein? parce qu'un autre livre sur le même sujet va nous amener des choses va compléter va ajouter va peut-être amener une autre perspective dans le journalisme et ça on retourne là il y a très longtemps renaudot qui euh, disait un peu le père du journalisme français dans le journalisme il faut pas essayer de, de dire la vérité si on s'empêche de mentir c'est déjà beaucoup. Renaudot disait, parce que la nouvelle, le journalisme, c'est le bruit qui court, c'est toujours un mouvement, alors que l'histoire, c'est le récit des choses advenues, plus facile à, à, à saisir. Donc, il appelait à une certaine modestie chez le, le journaliste. Si on tient absolument à parler de vérité, bien là, je citerai euh, la, la philosophe Cynthia Fleury, qui, qui dit, elle, la vérité, c'est une tentative de dire une chose le plus adéquatement possible. C'est assez modeste, mais je pense que ça, ça, ça peut bien. Et en journalisme, donc, la nouvelle doit représenter la réalité de façon la plus appropriée possible. Bon, quête pour la réalité complexe. Le journaliste qui fait une biographie ouvre un monde où il aimerait qu'il n'y ait que des faits, mais nous avons des perceptions, des croyances, des émotions, des expériences personnelles. De l'intérêt, des motivations, puis quelquefois des gens qui sont dans le refus de la, de la réalité. À l'époque contemporaine qu'on vit, on voit ça. Hein? Bon, Berthaud met en, garde, met en garde les gens sur la biographie en parlant d'idéologie biographique. Bourdieu parle d'illusion biographique. Alors, c'est quoi ça? Ben, c'est simple. C'est quand le biographe reconstruit pour donner un sens à l'histoire de la personne. Hein, je veux déjà le déposer sur un, sur un socle, en faire un monument et je vais m'arranger pour utiliser les événements qui me conviennent bien ou inciter certains éléments et faire des silences. On transforme les contingences de la vie, les imprévus, comme des fatalités. Le personnage est toujours cohérent. Il n'y a jamais de paradoxe, jamais de contradiction, jamais de recul, alors que c'est faux. Hein, la vie… Euh, Effet d'hésitation, de, de contradiction. On, est, on vit avec nos, nos, nos contradictions. Donc, il faut éviter l'idéologie biographique où il y aurait une trajectoire lisse, sans problème. Et ça, c'est périlleux parce que le biographe, euh, il s'attache quand même à ses personnages. Moi, quand même, si j'ai choisi Parisot et Rocher, c'est que je les admirais. Mais je ne tombe pas dans l'adulation. Hein? Il faut, faut, faut essayer de faire la, la part des choses. Avec certains personnages, c'est plus facile. Avec d'autres, plus difficile. M. Parizeau, on était rendu à la 25e rencontre. J'arrivais dans le bureau. Il était assis. une chaîne bonjour. Asseyez-vous. un verre d'eau. De quoi parle-t-on ce matin? Bon, alors, c'est froid, c'est distant. Fa... M. Rocher, c'est différent. Bonjour, vos enfants. Comment ça va à l'école? Hein? Non, parlez-moi un peu de vos enfants avant, je veux savoir, puis on, on, va, on va jaser après. Là. Vous me poserez toutes les questions. Euh, c est, c est, c est, il faut garder, hein? On fait un travail quand même. Là. Alors, et ça, le journaliste le sait aussi. Proximité avec les sources ne veut pas dire que je suis ami avec mes sources. Dangereux quand on est ami avec les sources. Bon. Alors, qu'est-ce que la biographie non autorisée? Plusieurs me la posaient souvent, cette question. Simple, hein? Euh, quatre grands principes. Premièrement, on ne présente pas que la version du biographié. Ce n'est pas son récit qu'on raconte, c'est son histoire. C'est une histoire de vie plutôt qu'un récit de vie. Parce que moi, je sors de son récit, de sa version, et j'en ajoute d'autres. Avec des croisements, on est capable d'avoir une vision qui, qui ressemble à une vision complète. Que ça, pas, pas que son récit est mauvais, mais on peut peut-être juger qu'il est en partie incomplet. Donc, ce n'est pas que sa version, mais il collabore beaucoup. Écoutez, j'ai fait 150 heures d'entrevue avec les deux personnages. Là. Deuxième règle, on multiplie les sources. Hein? Ça, ça confirme ce que je viens de vous dire. Troisième, euh, être indépendant à l'égard du sujet d'étude. Il ne voit pas la copie avant qu'elle soit imprimée. Il ne la corrige pas. Il ne la révise pas. Il ne la censure pas. Moi, je ne donnais le, le livre qu'une fois imprimé. Voilà. Deux semaines environ par courtoisie avant le lancement, de façon à permettre quand même à la personne de plonger dans le livre s'il y a des entrevues et tout ça. Et quatrième règle, le journaliste ne travaille pas pour le biographique. Il n'y a pas de lien monétaire ou autre. Euh, et il ne travaille pas contre. Moi, je ne sculpte pas un monument à Jacques Parizeau ou à M. Rocher. Mais ce n'est pas non plus une opération de destruction réputationnelle. Il y a, il y a, un, grand, il y a un grand espace, il y a une grande. Une autoroute trois voies entre ça, hein. c'est de raconter en étant euh, détaché. Puis tant mieux si. Euh, il y a des grands moments qui font bien paraître le sujet. Et puis tant mieux aussi s'il y a des contradictions qui l'humanisent, qui, qui nous démontrent bien qu'il y, y a des paradoxes, puis il y a des retours, puis il y a des échecs. Alors on va se garder, je crois, un bon, bon 10-15 minutes les questions. Fait que je, vais, je vais accélérer un peu. Donc ça, c'est la différence entre histoire de vie et récit de vie. Et euh, moi, je fais souvent, quand je commence euh, un chantier comme ça, je, je, je bâtis ce que j'appelle ma flèche de vie. J'ouvre un fichier, et, alors d'en haut, il y a un petit point, puis je descends une flèche, et la flèche est ponctuée d'événements marquants du personnage. Évidemment, la flèche, moi, je la fais droite pour l'utilité d'une feuille, mais je suis très conscient qu'une flèche de vie, elle n'est pas droite, hein, euh, quand je parlais des retours, puis des contradictions, puis alors une, une flèche de vie est, euh, est ponctuée de toutes sortes d'événements. Puis euh, ce n'est pas nécessairement toujours une suite d'échecs et de cohérences. Hein? Puis il y a des événements imprévus. La mort du père euh, de Guy Rocher à 8 ans et demi n'était pas prévu, a changé sa, une partie de sa vie. Son père est mort à 39 ans, il était sûr qu'il allait mourir à 39 ans. Parce que son grand-père était mort à 38 ans aussi. Donc, euh, je vais mourir à 39 ans. Donc, on active. Il faut vivre pleinement, faire les études. Son frère était pareil. Il croyait ça aussi. Et quand il a dépassé 39 ans, il me dit là, il faut continuer à vivre. Plutôt ironique. Hein? Il y a 98 ans aujourd'hui, M. Rocher. Bon, alors, la flèche de vie, les, les contingences. Et qu'est-ce qu'on fait quand je vous racontais qu'on s'éloigne du récit? C'est que si vous êtes sur la flèche, puis il nous raconte son histoire, à un moment donné, il nous raconte, par exemple Laura Rose qui avait les cheveux blonds comme les blés. Ben moi, je vais, je vais élargir, je vais créer un arc autour du, du, du trait. Je crée un arc qui est ma zone de recherche. J'élargis. Je, je quitte le, le personnage, je m'éloigne de lui, je m'éloigne de, de, de la scène, de, ce, de sa scène de théâtre. Puis je m'en vais dans la rue, je m'en vais dans sa ville, je m'en vais, vais pour saisir le contexte de l'époque, avoir les autres versions. Donc, je crée un arc autour de, du trait, et puis j'approfondis, et hop, oh, ça nous permet d'avoir accès à une réalité. Et c'est pour ça, moi, dans ma conception, la biographie, c'est un homme, ou ça peut être une femme, mais c'est aussi une société. Finalement, on, on a accès à la société par, par le récit d'un individu. Alors, l'exemple de Guy Rocher sur l'arc dont je vous parlais. Euh, est intéressante parce que Guy Rocher va rencontrer un personnage important pour lui qui s'appelle le Père Lévesque, euh, qui euh, est à l'Université Laval, la Faculté des sciences sociales, et qui va. Rocher se cherche depuis trois ans. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est à la JEC, mais là, la c'est du bénévolat. Sa mère lui dit Coudon, va te faire ça toute ta vie? Ça n'a pas de bon sens, puis il faut aller à l'université. Il avait essayé, essayé d'aller en droit, il n'aimait pas ça. Bon, rencontre le Père Lévesque dans le cadre de ses activités pour la JEC et. Révélation, il lui dit, non, vous êtes la sociologie. Pour vous, c'est la sociologie, M. Rocher. Venez, on a un bon programme, etc. Il s'en va là. Il va, réagi, il va agir même, parce qu'à la fin de son, son bac, il, il maîtrise, il songe à aller dans le journalisme, il le père il dit, non, persévérer, persévérer dans la, la, la sociologie, faites un doctorat, vous allez pouvoir enseigner. Et c'est ce qu'il fait. Hein. Alors le Père Lévesque est important pour lui. Il me raconte cette dimension-là. Mais lorsqu'on crée un arc autour de cette période-là, on réalise que le Père Lévesque va beaucoup aider euh, Rocher, comme il aide beaucoup de ses étudiants, mais qu'il est en grand danger. Parce que c'est un dominicain très progressiste, qui conteste une vision... Euh, euh, Trop conservatrice de l'Église, qui conteste Maurice Duplessis à l'époque, qui a une mainmise très solide sur le, le Québec. Il a même écrit en 40, un peu avant 1947, en fait, même bien avant 1947, dans les années 30, imaginez-vous, ça avait créé une crise. Il avait écrit un texte sur la non-confessionnalité des coopératives. Oh là Alors là, les communautés religieuses, les évêques et tout. On, alors, il y a même eu. On a tenté de lui faire un procès à Rome. Euh, ça n'a pas abouti, parce qu'on s'est aperçu à Rome qu'il n'y avait peut-être pas matière, mais il y a eu un dossier déposé. On l'accusait de propos hérétiques et tout. Euh, alors, Rocher, en même temps, lui, il rencontre ce personnage-là. Alors, moi, je suis capable, en fouillant, de décrire aussi qu'est-ce qui se passe avec la vie de, de l'évêque, du père l'évêque. Une rencontre importante. Le père l'évêque est un aiguilleur pour lui, mais pendant... Qui l'oriente et protège le jeune Rocher, lui fait même l'objet d'un deuxième procès à cette époque. À la fin de l'hiver 50, euh, pour qu'il se paye un peu, pour qu'il ait un peu de revenus pour se payer l'université, le père Laval lui offre, il termine ses études, vous allez pouvoir être assistant professeur. Bon, ça marchera pas, c'est une autre partie de la biographie, je n'entrerai pas là-dedans, mais on voit qu'il va toujours tenter de l'aider. Rocher ne sait pas à ce moment-là, parce que je lui dis par la suite, parce qu'il ne me raconte rien de tout ça, il ne sait pas à quel point le Père Levesque est dans une position très précaire. Toujours en 50, en avril, banquet de clôture du 5e Congrès de relations industrielles de l'Université Laval, le Père Levesque va faire une allocution dans laquelle il condamne, sans les nommer, les politiciens qui utilisent le communisme comme épouvantail. Évidemment, tout le monde comprend que c'est Maurice Duplessis. Puis déjà, Duplessis l'appelle le petit rouge. Hein? Ça, c'est le petit rouge. Bon. Alors, le recteur Vendry, lui, qui a besoin des subsides à l'époque, euh, versement direct des universités euh, par euh, M. Euh, Duplessis, par le, le gouvernement du Québec, est en colère et euh, avec des archives, avec même des témoignages de, de M. l'évêque euh, qui a donné à l'Université Laval, qui est disponible en vidéo. On apprend que le recteur Vendry est allé voir Mgr Maurice Roy avec une lettre de congédiment du Père Lévesque. On veut le congédier. L'archevêque refuse. Il dit Faites-lui des remontrances, mais vous ne pouvez pas le congédier. Alors, il y a une certaine protection, mais vous voyez que ça passe proche. La rumeur de congédiment est tellement sérieuse qu'il y a deux, trois jeunes professeurs qui menacent de démissionner si on met à la porte le Père Lévesque. On est en mai 50. Euh, Rocher vient de déposer son mémoire de maîtrise. Euh, il ne sait rien de ça. Il ne sait rien de ça, alors que euh, la, la vie professionnelle même du Père Lévesque est menacée. Alors, vous voyez, c'est intéressant d'ajouter ça. C'est l'arc dont je vous parlais, parce que ça nous, ça nous aide à mieux saisir la valeur des actions du Père Lévesque à l'endroit de Rocher et surtout le coût, le coût qu'il risque de payer pour appuyer euh, une liberté académique parce que c'est ce qu'il défendait le père Lévesque à ce moment-là, l'indépendance à l'endroit du, du financement. Donc c'est le contexte de l'époque aussi, ça aide à bien saisir les contextes de l'époque, et on voit que les combats menés par le, le, le père Lévesque contribuent à donner un espace de liberté à Rocher, qui va aller ensuite à l'université Harvard. Et Rocher sera éternellement reconnaissant au père Lévesque pour tout ça, bien que des années plus tard, euh, lorsque Rocher est devenu un indépendantiste, Bien, M. Lévesque, c'est un fédéraliste, euh, mais il dit ça, on parlait moins de ça, mais on, était, on, avait, on avait des relations quand même euh, d'amitié. Il disait même, il le qualifiait d'un second père, pratiquement. Hein? Rocher voyait en lui quelqu'un qui avait, euh, en, en, voyait dans le père Lévesque quelqu'un qui avait eu un rôle euh, presque aussi important que celui de, de, du père qu'il n'avait plus. Je termine en, en disant que finalement, une biographie, ça ça révèle une chose, enfin ça aide à révéler une chose, c'est que l'acteur seul ne se laisse pas, il, il, il ne vit pas uniquement, il n'est pas euh, régimenté par des événements, il les crée. Il a une emprise sur sa société, il est à l'origine de grandes transformations, et un individu seul peut changer euh, des institutions, peut changer ce que... On appelle le cours de l'histoire, et ça c'est important. Euh, ça aide à briser le cynisme ambiant, hein, où tout est décidé d'avance, il y a un déterminisme. Non, quand on suit des individus comme ça, Rocher, le sociologue qu'il est devenu, a remis en question la sociologie, la, la socialisation qui lui a été, euh, dans laquelle il baignait quand il était jeune. Hein. Socialisation, le, le, la culture, l'idéologie, la religion catholique. Qui l'enserrait. Il était à l'aise là-dedans, encore une fois, je vous le dis, il y a un paquet de raisons pour ça, mais à Maï, il a rejeté cette, cette socialisation-là. Il a proposé, on le sait, lorsqu'il est devenu commissaire à la commission parents, euh, sécularisation des institutions et laïcisation euh, de le, de, du domaine de l'éducation, en créant un ministère détaché euh, de celui, parce qu'à l'époque, c'était les, les évêques qui dirigeaient. Euh, les écoles et tout le système d'éducation. Donc, et pour vous dire à quel point il y avait une socialisation, il me raconte que quand il est au, dans le cours classique, à un moment donné, il y a une conférence des jeunes naturalistes à laquelle il participe, puis là il y a un jeune un peu plus vieux qui fait une conférence puis qui parle de la théorie de l'évolution et que l'homme descend du singe. Ah ben là le, le le responsable dit, euh, non, 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 outrage, vous remettez la, en question l'action unilatérale de Dieu. Alors il dit qu'il voit ça, il est un peu surpris, puis là il va voir, euh, on avait des confesseurs à l'époque, hein? et puis il parle à certains professeurs qui l'apaisent hein, en lui disant, parce qu'il est un peu perturbé par tout ça, en lui disant, écoutez, euh, l'Église est en train d'étudier la question. La socialisation est tellement forte que quand il prépare son mémoire de maîtrise sur Spencer, Spencer, philosophe britannique, parle de, du principe de l'évolution qui amène les anglo-protestants euh, à, à aller à la pointe de l'évolution, etc. Et il dit euh, ben c'est pas possible, la théorie de l'évolution, mais il faut comprendre ça. On va l'étudier. Alors, voyez comment il baigne dans une posture très, très. Euh, des dogmes même de l'Église catholique. Cet homme-là, par la suite, va être ailleurs. Hein? C'est un des, des profondeurs d'un de, 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 système d'éducation qui est détaché maintenant de toute attache religieuse, d'une laïcité. Donc, c'est un homme qui a secoué ses croyances d'hier. C'est intéressant, ça, quand même, de suivre des personnages comme ça. Euh, Parizeau, je termine là-dessus, la même chose. Il me raconte avec beaucoup de fierté une soirée, euh, une grande soirée qui va se dérouler chez lui, rue Robert, à Outremont. 90 personnes ont été invitées et, me dit-il, ils sont tous venus. Il est ravi. Les badauds, il me raconte ça comme ça, peuvent apercevoir à Outremont, face au parc de Vimy, euh, les invités. Alors, il y a des représentants des institutions financières, des présidents de sociétés d'État. On est en 69. Claude Brière, Claude Prier, le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec est là. Parisot a aidé à créer la Caisse de dépôt et placement quelques années plus tôt. Marcel Pépin, chef syndical de la CSN, est là. René Lévesque, suivi des trois colombes, Jean Marchand, Gérard Pelletier, Pierre Elliott Trudeau, qui est alors premier ministre du Canada, les gyrophares des voitures de police illuminent l'endroit. Me dit-il très satisfait. L'accès au parc de Vimy, situé juste en face de la demeure des Parizeaux, a été fermé. Les déplacements des nombreuses limousines et voitures de sécurité rendent la circulation impossible dans ce quartier habituellement paisible. Jacques-Yvan Morin, Jacques Godbout, Yves Pratt et bien d'autres s'ajoutent aux personnalités présentes. Puis à l'aube, les derniers invités s'en vont, quittent la résidence des Parizeaux, soirée organisée avec faste par ma, son épouse, Alice, L'économiste de 39 ans, pour lui, c'est un jour nouveau, parce qu'il a annoncé qu'il s'engage pour le Parti québécois, et il voulait faire un dernier événement, sachant que son engagement pour l'indépendance allait mettre fin à de nombreuses relations étroites avec un establishment, avec son milieu bourgeois, avec le milieu de la finance, même son père, qui, était, euh, bien, bien, euh, qui avait fondé son entreprise dans l'assurance et la réassurance était plutôt inconfortable. Alors une nouvelle ère s'ouvrait pour Parisot, mais là, c'est des rudes de, de, de l'affrontement politique avec la communauté d'affaires, puis avec les opposants politiques, avec l'influent gouvernement fédéral. Et Jacques Parisot va prendre dans les années qui vont suivre la mesure des retombées de son engagement. Encore une fois, il remet en question une socialisation dans son milieu bourgeois, où on était plutôt conservateur. On n'alle pas nécessairement vers une, une remise en question, même du régime politique. Les Parisiens se détachent de ça. Le père est, est, est plutôt satisfait d'un trait de caractère des enfants et, et il appelle ça l'homo parisensis. L'homo parisensis, c'est la propension des Parisiens à la réaction contre toute influence trop accentuée du milieu. Je nous garde les dernières minutes pour des questions, mais je tenais simplement à vous présenter ces, ces, ces différentes observations euh, pour vous dire à quel point ces deux hommes-là ont choisi la liberté finalement. Euh, ils ont agi, euh, je dirais, détachés d'un rôle prédéterminé et ils ont agi, on peut dire, avec succès, bien que certains de leurs grands rêves n'auraient pas été réalisés. Ils ont eu une action déterminante sur la société. Et je crois qu'on a été chanceux de les avoir dans notre société. Merci.